Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une petite attaque du jour avec le golem bien entendu qu'on a eu dans le pack opening d'aujourd'hui. Donc le truc c'est que ça va être chaud de... Ah bah attendez, hop là, bonne chance, voilà. Donc du coup ça risque d'être chaud par rapport justement à ça. Alors là, je peux te dire ton truc là, je le contre quand tu veux. À part si tu joues bien comme moi. Non, je m'envoie des fleurs comme ça, hop là, ouais youpi. Bon par contre là si on perd, parce que c'est très dur d'utiliser le golem, si on perd c'est pas très grave. Donc du coup, ça va pas être compliqué. On va envoyer une petite horde de gargouilles. Mais je connais ton petit machin, je l'utilise tout le temps. Donc j'ai envie de te dire, voilà quoi, hein, bon. Y a pas de secret pour moi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais envoyer des archers. Je vais envoyer... Oh, c'est chaud là. Hein. Ah, quoi que ça va, regardez-moi ça. On se fait plaisir quand même. Est-ce qu'il y a moyen de... ça va, j'ai envie de te dire, ça va, hein. Regardez-moi ça, ce petit machin qui reste vivant, quoi. Carrément. Enfin bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de gagner quand même. Ça pourrait être pas mal, mais ça risque d'être compliqué. Donc ce qu'on va faire, on va aller à droite et on va essayer d'envoyer du Valky Cochon. Voilà, on sait jamais, ça peut payer. Ok, ça paye pas du tout. C'est pas très grave. On fait quand même un peu de taf. Ouais, ça va. J'ai envie de dire ça va. C'est plutôt pas mal. On va juste attendre que les autres arrivent. Ils vont venir, hein. Non, c'est bon. Ça va, on se fait plaisir. Ok, tu peux me les tuer. Merci beaucoup. Donc on va... Ok, c'est bon. Le problème là, c'est que ça risque d'être compliqué parce qu'il va me défoncer la tour assez facilement. Est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre? J'ai envie de te dire que c'est chaud. Bah de toute façon, le golem, hein, je compte pas gagner avec du golem, moi. Hein. Le jour où je gagne avec du golem, c'est que j'ai eu de la chance. Hein. Non, j'arrive vraiment pas à l'utiliser. J'arrive pas à l'utiliser. Ouais, vous savez quoi? On va pas se faire chier bien longtemps. Hein. Non mais bon. À un moment, voilà, il faut savoir faire les choses. Voilà, il envoie son petit machin. Et là, on envoie les gargouilles. Tu vois l'intelligence un peu? D'abord, on attend qu'il envoie son truc et après, on envoie. Ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va envoyer ça. On va envoyer les petites flèches. Non, on va pas envoyer les flèches parce que sinon, on sait très bien ce qui va se passer. Et donc, du coup, on les détruit sa tour. Nickel, on les détruit le petit truc là. Allez. Et bah voilà, on se fait plaisir. Hein? Nickel, nickel. Ok, on se fait place au niveau de là aussi. Bah nickel, voilà. Donc lui, il va détruire avec le dragon. Et bah c'est nickel. Nous, ce qu'on va faire, on va envoyer nos petits golems. Notre petit golem. Et on va essayer de faire la même chose. Donc on va attendre qu'il envoie sa boule de feu. Parce qu'il va forcément l'envoyer un jour ou l'autre. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer ça. On va envoyer... Ah mais je sais ce qu'il va envoyer, la horde de gargouilles. Tu paries combien il va envoyer la horde de gargouilles, le petit? Non mais tu paries combien? Non même pas. Bon, c'est pas très grave, on va envoyer ça, ce sera déjà bien. Voilà, nickel. Voilà. Ah bah nickel, bah, pff, oh là là, c'est génial. Ah mais non, pourquoi j'ai envoyé la balle à horde de gargouilles? Oh, mais je suis teubé, hein. Bon, ça va qu'il reste une petite... Enfin bon, on va quand même se faire plaisir, je pense. Il y a quand même moyen que ça fasse plaisir. Ouais, c'est bon là, ça peut... ça va? J'ai envie de dire ça va. J'ai envie de dire ça va, c'est plutôt pas mal. Donc hop, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Ouais, c'est bon. Nickel ou pas? Ok, bah ça va. Il y a moyen qu'on pète la tour là? Y'a moyen? Ouais? Ouais? Non? Eh, hey, le boum boum! Bah le boum boum, ça fait pas de dégâts à la tour? Moi je pensais que le boum boum, ça faisait des dégâts à la tour. Eh bah pas du tout, hein. Ah tu vois, comme quoi, hein, on sait pas tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du molosse de lave. Voilà. Et on va envoyer notre cher... Attendez. Ok, voilà, on va envoyer ça. On va envoyer ça. Hop, on va envoyer nos petits machins. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez qu'on va se faire plaisir. Et pouf. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on joue, hein. T'envoies la boule de feu sur ma tour, y a pas de souci, moi j'envoie des machins, là, des trucs de ouf. En tout cas, franchement, super combat. Et moi je te dis bonne chance pour la suite, mon pétail. Oh franchement, c'est chaud de jouer avec, hein. Oh là là là. Moi j'ai envie de te dire, comment ça s'appelle? Étant donné que maintenant il y a plus, tu sais, quand t'envoies le feu à gobelin. Normalement, quand t'envoies le feu à gobelin, ça va sur la tour et là ça fait du dégât. Donc ça, c'est pas forcément bon. Moi, ce que je faisais avant, quand j'utilisais, c'est que j'envoyais à côté de la tour, histoire d'être quand même assez loyal, tu vois. Mais le truc, c'est que maintenant, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Donc du coup, c'est pas franchement... Enfin, le mec, il suffit qu'il envoie des flèches ou il suffit qu'il envoie des troupes et c'est contrable, tu vois. Donc du coup, moi, généralement, je mets sur le côté de la tour ou derrière la tour, mais genre un endroit où il peut le contrer assez facilement, tu vois. Histoire quand même que ça reste un minimum loyal, tu vois. Je fais pas au milieu de la tour et que ça fait, genre, il y en a un à droite de la tour, un à gauche de la tour et un devant la tour, tu vois. Sinon, après, c'est un peu dur à contrer, tu vois. Et donc du coup, ça, c'est un peu comme utiliser une boule de feu, tu vois. Enfin bon, voilà, bah, parce que après, ça reste... Enfin, je sais pas, t'envoies une boule de feu, t'es sûr que ça va faire des dégâts, tu vois. C'est trop facile. Moi, j'ai envie de dire, c'est trop facile. Ça, c'est... C'est pas normal, c'est pas normal. Mais après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein.
Mais moi, j'aime pas les gens qui jouent comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc, du coup, j'ai envie de te dire que on va se laisser sur ce, hein. Bah oui, on se fait une petite attaque du jour, quand même assez sympathique. Donc, on a eu ce petit golem. Bon, j'ai réussi à gagner avec, hein, mais encore une fois, c'était limite, hein. Ça vaut pas le molosse de lave. Ah non, ça ne vaut pas le molosse de lave. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao et puis n'oubliez pas, restez cool.